Muy buenos días, muy buenas tardes, según... Bonjour, bon après-midi. Bon, l'endroit où vous vous trouvez. Merci de rejoindre ce cours panaméricain de résilience des systèmes de santé. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur les possibilités conseils pour réduire l'empreinte carbone des systèmes de santé. Comme toujours, nous vous demandons d'utiliser le bouton d'interprétation. Nos participants parleront uniquement en anglais. Alors, veuillez vous connecter à l'interprétation si vous en avez besoin. Nous vous rappelons les séances futures. Jeudi, nous avons mesuré, surveillé, évalué la résilience et la durabilité des systèmes de santé. Rappelez-vous que la présence sera vérifiée lorsque vous serez connecté en utilisant le lien grâce auquel vous vous êtes inscrit. Il faut utiliser le même lien et non pas utiliser le lien de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que cette session, à la fin de la séance, vous pourrez poser des questions. Vous pouvez poser vos questions dans la section Q&A, Question and Answers. Les séances seront enregistrées dans 24 heures, seront publiées sur le site web. Sur le site web se trouvent également les liens des présentations à la fin de la journée. Aujourd'hui, nous avons parmi nous James Ospedales, fondateur de Earth Medic et Earth Nurse. Nous avons également nous Elisabeth Chenk, Providence, Diana Miller et Diana Picon, directrice de Climat International de Healthcare Without Harm. Nous allons donc commencer par M. James Ospedales, qui est fondateur et directeur de Earth Medic Earth Nurse, un amant de la nature, père, homme de foi, grand-père, jardinier et ébéniste. Il a fondé cette organisation pour faire face à la crise climatique et de santé. Il préside le comité exécutif de partenariat Defeat Maladies non transmissibles et s'en occupe dans les pays à faibles ressources. Il a été le directeur exécutif de l'Agence de santé publique des Caraïbes et dirige l'agence qui est devenue très connue dans le domaine mondial. Il tire la sonnette d'alarme dans le monde sur la crise climatique et la santé. Il a été le coordonnateur de la prévention des maladies non transmissibles et de contrôle à l'OPS-OMS. Il est membre de la faculté de santé publique du Royaume-Uni et il est membre de l'Institut de partenariat du Royaume-Uni. Il a publié plus de 100 articles et rapports. Nous avons le plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Merci, Irène. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce cours sur les systèmes de santé résilients. J'ai travaillé près du Venezuela avec l'OPS pendant près de 20 ans. Donc, je me sens à la maison avec les collègues de l'OPS et des pays de l'Amérique latine. Je vais parler anglais. Parfois, je reviendrai peut-être vers des phrases en espagnol. J'ai écouté la plupart des séances jusqu'à aujourd'hui qui reprennent d'excellents points. Je vais maintenant partager mon écran avec vous. OK. Oui, très bien. Écoutez les experts, le besoin d'une action climatique. Ah, le son est coupé.
Hello, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois que le son est revenu. Que s'est-il passé? Bien, j'ai commencé en espagnol. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, oui, tout a bien été entendu. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on ne le voit absolument pas. Vous avez essayé de partager votre écran? Oui, je l'ai fait, mais je vais essayer de le refaire. Perfect. It's you started screen sharing and now it's loading. Oh, there you go. Là, okay. Ça y est. Maintenant, c'est téléchargé. Merci. Bien. Je disais que j'ai écouté les exposés des séances et des connaissances très précieuses ont été partagées. Je vais vous parler du rôle des ONG. Alors, voilà les objectifs de cette organisation. Je les ai mis sur la boîte de dialogue. De santé des Caraïbes. En fait, on commence. Nous sommes très en retard à ce niveau-là. Comme vous tous le savez, la Terre, en tant que patient, est malade. Maladie due à la chaleur, les pandémies, la poussière du Sahara. Et ceci conduit certains professionnels de la santé à descendre dans la rue et exercer leur droit à protester. Et ceci est très dangereux d'agir. Je vais vous donner quelques définitions. Un système de santé résilient au climat, c'est-à-dire un système capable d'anticiper, de réagir, d'affronter, de se redresser et de s'adapter aux chocs et aux stress liés au climat afin de donner à la population des améliorations de santé durables en dépit du climat. En dépit du manque de ressources, du manque de personnel. Et pour ce faire, il faut donc s'occuper de la chaîne d'approvisionnement. Thème à faible émission de carbone commence par une approche pour concevoir, construire, exploiter et investir dans des systèmes de santé qui produisent des quantités minimums de gaz à effet de serre. Parce qu'ils en produisent un pourcentage assez important. Plusieurs pays ont choisi cette voie. Alors, les soins de santé zéro net, ça, c'est plus difficile. C'est très difficile lorsque l'on voit toutes les possibilités de piégeage de carbone et de lutter contre du climat. C'est possible, mais il faut une vision et une bonne focalisation. Alors, nous avons différents domaines, 1, 2, 3. Il y a donc la question de l'énergie et de l'électricité qui produisent des émissions indirectement. Et puis, il y a les sources importantes. Alors, émission des domaines 1 et 3. 3 a l'impact le plus important. Il faut remonter en amont comme on l'a fait. Et comme on l'a dit au début du cours, il faut remonter le cours des choses et remonter en amont. Maintenant, quelques diapositives pour le contexte des Caraïbes avec tous les différents pays.
nous vivons entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, un archipel qui a 40 millions de personnes dans 30 pays avec quatre grandes langues, une région très diverse en taille et en niveau de développement. Il y a des grandes îles comme Cuba et des toutes petites îles, 50 millions de voyageurs et de touristes par an, vulnérabilité inédite au changement climatique, mais nous avons trois grands problèmes. Le manque d'accès aux finances à cause de la vulnérabilité, un faible revenu par habitant, ce n'est pas une bonne formule pour nous. On voit tous les dégâts qui sont causés, alors des lacunes dans les données pour comprendre la situation et le plan, et un manque de coordination entre les nombreux pays. Donc, les choses sont quelque peu compliquées. Alors, on a fait des progrès pour comprendre ce que ce changement climatique signifie pour nous dans les Caraïbes. Maintenant, nous avons des ouragans, des inondations et des tempêtes beaucoup plus importantes. Et ceci a d'énormes implications pour la santé des gens et pour l'environnement. Mais je pense que les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment conscients de cela. Et je vais vous donner des exemples. Voilà, par exemple, une sécheresse en Jamaïque. On le voit aussi des problèmes en Haïti avec des problèmes pour la sécurité hydrique. Nous avons aussi le blanchissement des coraux à gauche, les parties de blanchissement des coraux, et à droite, nous voyons le problème pour certaines parties des Caraïbes qui est plus que normal maintenant, qui est au-dessus de la normale. Nous avons eu trois ouragans, José, Irma et Maria, extrêmement forts. Plus impressionnant, totalement inédit. L'ouragan Maria en particulier a détruit la Dominique, le PIB à hauteur de 200%. Voici Trinité et Tobago. Il y a 4 ou 5 ans, une inondation sans précédent qui a divisé le pays en deux. Bien des personnes ont perdu leur exploitation agricole, leur maison, et cela devient annuel. L'année dernière, en novembre, il y en a eu, par exemple, voici les dégâts par la hausse du niveau de la mer à cause du réchauffement global. Dans 30 ou 40 ans, aux Bahamas, à Trinité, au Tobago, en Guyana, Suriname et Belize, une grande partie des terres seront sous le niveau de la mer. Les gens se déplacent et migrent donc. De plus en plus d'enfants sont déplacés par ces fléaux. Donc, il faut prendre des dispositions à l'avance. Nous avons deux problèmes dans les Caraïbes, peut-être pas autant en Amérique. Nous avons une augmentation des algues appelées les sargasses qui viennent de l'Afrique de l'Est, remontent vers les Caraïbes jusqu'à la Floride. Ces 10 ou 12 dernières années, cela s'est produit. C'est un nouveau phénomène, mais qui augmente et qui porte préjudice aux pêcheries. Un autre problème que nous connaissons, c'est plus de tempêtes de poussière du Sahara qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Le sable vole et arrive aux Caraïbes, aux États-Unis. Et ce phénomène empire chaque année. Alors,
le secteur de la santé doit réagir face à ces phénomènes. Ceci sape l'économie des petits États où l'économie est très réduite et les tempêtes détruisent le pays. Alors, nous voyons les 10 pays les plus importants qui ont des pertes économiques en pourcentage du PIB. Face à ceci, le système de santé est plus résilient, promeut la santé et est plus vert. Donc, nous faisons la promotion d'infrastructures vertes. Lorsque j'ai vu ces diapositives, j'ai été choquée, j'ai été même embarrassée et ignorant, car je ne savais pas cela et je ne savais pas que la santé contribuait autant à l'émission des gaz à effet de serre dans le monde. Cela signifie que nous devons reconnaître ce problème et essayer d'y le résoudre. Voici une étude désagrégée sur les utilisations de l'énergie et tout ce que nous faisons dans les services de santé. Tout d'abord, si tu ne peux pas faire le bien, au moins n'apporte pas de dégâts. C'est ce qu'a dit Belén Panisso. Nous avons une obligation morale en santé publique d'arrêter de faire du mal. Et pour ce faire, nous devons prendre des mesures afin de commencer ou d'avoir moins de bilan carbone. Alors, voilà des orientations de l'OMS pour mesurer la résilience au climat des systèmes de santé. Vous connaissez les building blocks du système de santé, là sur quoi on doit se concentrer pour avoir des systèmes de santé résilients au climat. Au niveau de la communauté, nous avons besoin d'une communauté éclairée, autonomisée et ensemble, peut-être nous aurons une chance. J'utilise ce diagramme d'une publication de la Banque mondiale pour une résistance à 360 degrés. On parle des implications du changement climatique pour un système de santé résilient, la capacité d'anticiper, d'absorber, de s'adapter, de transformer. Voilà ce qu'est un système de santé résilient. Et vous voyez que j'ai placé la communauté à la base de la colonne. Ensuite, leadership et gouvernance, financement, etc. Alors, ces deux diapositives vous donnent une idée d'exemple des implications pour les systèmes de santé si on veut qu'ils soient résilients. Si les ministres de CARICOM, de Microsud, de la communauté andine vont dans la même direction, alors, c'est excellent. Il faut donc impliquer et les faire participer au système de santé. Cela a des implications en matière de collaboration. Cela signifie qu'il faut avoir des leaderships visibles pour l'information. On a besoin d'une surveillance de la santé intelligente pour le climat en liant les différentes données. Et puis avoir un personnel soignant bien formé. Une bonne prestation de service. Il y a des implications dans la santé, et les maladies changent, et il faut être plus vert, réduire les émissions de carbone, et il faut que nos collègues réalisent qu'en ajoutant le vert à la sécurité dans nos EM, on augmente, disons, l'action du système de santé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
il y a toujours des implications dans le système de santé. Pour voir comment réduire le bilan carbone. Certains médicaments augmentent les risques et les gens doivent le savoir. Par exemple, parce que le climat est de plus en plus chaud. Il faut investir afin de rétroalimenter. Je vais vous parler maintenant des lacunes en matière de personnel de santé. Nous avons des outils pour la résilience, nous avons des dispositifs, des programmes. Alors, une étude qui sera publiée dans 3 ou 4 pays des Caraïbes. 99% du personnel a dit qu'il a entendu parler du changement climatique, moins qu'ils en comprennent les causes principales. Et vous voyez quelles sont les lacunes. Alors, au milieu, entre les colonnes du haut et du bas, voilà ceux qui comprennent les impacts ici, qui savent ce qu'il faut faire ici, un tiers, se rendent compte des nombreux obstacles, pensent que ce qu'ils font ne produit aucun effet, et puis il y a de nombreux obstacles. Donc, il faut un programme d'éducation en matière de climat. Voici un exemple d'un cours des Caraïbes sur le climat et la santé. Et nous avons fait un sondage. Et ceci est une étape pour nous, emblématique. Alors, ici, nous sommes aux Bahamas au mois de décembre. Aux Bahamas, il y a 26 îles et 20 aéroports pour un pays qui a quelques milliers de personnes. Et quand un ouragan arrive, il y a beaucoup de risques. Et il y a eu donc un atelier pour avoir des ambassadeurs du climat et de la santé aux Bahamas afin d'avoir un programme pour être plus résilient au climat. Les participants ont fait des progrès significatifs dans leur préparation pour travailler à adresser les impacts de la santé du changement climatique. Il y a des orientations pour réduire le carbone dans le système de la santé. Dans les Amériques, il y a l'initiative des hôpitaux intelligents, OPSOMS. C'est une initiative bien connue. Une évaluation sur les Caraïbes a été publiée récemment. Et je sais que Judith Garvey de Sainte-Lucie a donné un exposé justement sur le programme des hôpitaux intelligents avec un indice de sécurité des hôpitaux et une liste verte, une checklist verte afin d'améliorer la sécurité pour en cas d'ouragan et tempête et pour réduire le bilan carbone. Alors, des installations de santé intelligente vis-à-vis du climat, cela signifie plus sûre et plus verte. Il faut donc une structure résiliente qui réduise sa gourmandise en énergie qui est extrêmement chère. Chez nous, nous avons donc mis en place des panneaux solaires, etc., pour réduire le coût de l'énergie. Mais nous avons 600 hôpitaux à la CARICOM des Caraïbes et seuls 50 ont ce programme. Nous avons donc encore beaucoup à faire pour augmenter cette pratique dans tous les pays et passer de 50
à 500 d'ici à l'horizon 2030. Alors, on parle de la résilience. Il faut être sécurisé. Et ce qui conduit à l'intelligence avec des temps de panne réduits, une structure résiliente, des coûts d'exploitation réduits, une meilleure sécurité. Donc, on travaille avec l'OPS et l'OMS et il faut donc beaucoup se préparer pour avoir du succès. Mais là, cet hôpital intelligent a bien réussi. Alors, ligne directrice de l'OMS en matière d'installation de santé résiliente au climat. Ceci équipe les planificateurs de santé, les gestionnaires des installations pour qu'ils soient plus résilients. Et je remercie l'Alliance pour l'action de transformation à tâche. Qui travaille sur la santé et le climat. Alors, zéro net, c'est un excellent plan du service de santé du Royaume-Uni. Dernièrement, il y a eu des manifestations chez les infirmières et les médecins au Royaume-Uni qui demandaient une seule chose, qu'il y ait une campagne en matière de santé publique sur le climat et la santé. Je pense que c'est une excellente chose. Je pense que nous avons vraiment besoin de ça. Dans ce diagramme, vous voyez les sources, ce qu'ils essayent de faire avec leur domaine d'action direct, indirect, et le domaine d'action 3 indirect, qui est énorme, transport, médicaments, etc. Nous avons fait des progrès en matière d'électricité et ceci est excellent. Voilà, Permanente. Neutre du point de vue carbone. Alors, nous avons ici un outil pour le carbone qui utilise un calculateur Excel pour convertir les données des installations de santé en rapport carbone. Cela permet de couvrir les coûts de l'impact. Dans les Caraïbes. Et en regardant ces différents outils, qu'il s'agisse sur le papier ou d'analyse, et la façon dont on peut les utiliser, c'est important. Et il y a également un calculateur de RAC carbone et du coût du réseau de développement. Et vous avez ces liens qui vous permettent d'y accéder et des articles qui les décrivent. Healthcare Without Harm, c'est une organisation importante dans les Amériques qui nous permet de réduire l'empreinte écologique des soins de santé et qui permet de créer des communautés pour la durabilité en proposant une formation gratuite dans sa boîte à outils. C'est important parce que dans les Caraïbes, nous avons des centres de santé et qui peuvent devenir des modèles de durabilité. Et c'est donc un exemple vert, c'est Greener Practice. Nous avons également, donc, pour les établissements et les cabinets de médecine générale, ces pratiques plus vertes des Royaumes-Unis. Alors, je conclurai avec quelques aspects, des remarques finales. Donc, voilà un diapo pour dire que
si nous voulons améliorer la réduction des émissions, la résilience, nous avons besoin d'une politique et d'un agenda politique fort. Il faut également des champions, des défenseurs au sein des gouvernements et des systèmes de santé. Nous avons besoin de formation, de sensibilisation de l'ensemble du personnel. Et nous avons déjà commencé à le faire. Nous devons avoir du leadership, de la sensibilisation. On essaye de communiquer nos programmes, de faire du suivi des actions. Il faut également une recherche appliquée sur les coûts, l'efficacité, les retombées connexes pour la santé. Comment créer des groupes communautaires de réflexion et autres. Il faut également privilégier l'innovation et prioriser les efforts en ce sens. De même qu'il faut mobiliser les partenaires, les ressources pour approcher les secteurs qui sont en silo. Et quelques mots aussi sur ces points en particulier. Pour les Caraïbes, nous avons un programme de recherche pour l'action avec bien sûr des objectifs en termes d'impact pour réduire les maladies liées au changement climatique, les facteurs de risque comportementaux. Et pour les maladies liées au changement climatique, une capacité accrue de prévention et de résilience. Et voilà, bien sûr, les partenaires associés, Emory, l'OPS, etc., Hearst Medic, l'Université de West Indies, à laquelle j'ai collaboré, et qui offre également des financements. Nous avons un travail assez intéressant si nous voulons vraiment construire des passerelles pour les services de santé, les rendre plus résilients. Nous pouvons les engager à s'unir, à travailler, à faire que le secteur public, le secteur privé travaillent main dans la main et accroissent leur résilience. Et nous voulons également impliquer les gouvernants, les décideurs politiques, la communauté sanitaire, les fournisseurs privés, en particulier du secteur de l'énergie, l'énergie renouvelable, le traitement des déchets. Et il faut aussi, bien sûr, toujours être vigilant vis-à-vis des problèmes de conflits d'intérêts et de problèmes, par exemple, des secteurs de combustibles fossiles, tabac et autres, qui sont des polluants. Donc, sur ce, merci de votre attention. Nous avons vu quelles étaient les opportunités et les lignes directrices ou les points ou les directions possibles pour un secteur de la santé plus résilient. Merci infiniment, James. Nous allons maintenant passer à Fiona Meller qui va nous parler du première étude de cas. Elle est professeure de politique des gestions d'évaluation de santé de l'Université de Toronto, Canada. Elle dirige un centre de santé, initiative nationale, dans le système de santé financé par Environment and Climate Change Canada. Merci Fiona, vous avez la parole. Merci. Rena, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui, de faire suite à James. Je voulais commencer avec quelques éléments de contexte. Cette présentation, première diapo de mon présentation de Cascade j'ai ajouté cette diapo pour reprendre ce sur quoi James avait terminé et comprendre la contribution du secteur de la santé au changement climatique. Et je pense que c'est très important de l'ajouter et de renforcer ce que James a dit. Quand j'ai démarré à travailler dans ce secteur et à apprécier un petit peu l'impact, comme beaucoup assument, eh bien, il faut se focaliser tout d'abord sur les constructions, les hôpitaux,
les installations qui fonctionnent 24 heures sur 24, qui utilisent beaucoup d'énergie, beaucoup de déchets spécifiques et dangereux parfois. Et voilà un cadre ici en Angleterre pris en octobre 2020 où on dit que nous voulons atteindre le zéro net en émissions et l'effort se poursuit depuis 2008 pour véritablement avoir une bonne direction sur les actions à prendre. Et cet impact est très important dans les pratiques cliniques et les produits qui sont utilisés par le secteur sanitaire. Donc, voilà un contexte très important qu'il faut comprendre pour savoir comment réduire les effets du climat. L'autre élément de climat sur lequel je voulais partir à propos de mon pays, le Canada, est lié. Et pour situer un petit peu mon propos, et aussi le pays en lui-même, nous sommes un pays où nous avons des variables, différents États, différents engagements dans différents domaines. Nous avons également des systèmes de santé diversifiés dans les différents États et provinces, pardon, du Canada, avec différents acteurs. Nous avons donc, nous sommes une fédération, nous avons la possibilité de lever des fonds auprès de différents financeurs et nous sommes donc une fédération assez décentralisée sur le plan juridique et aussi sur le plan fiscal de la possibilité de ressources financières publiques. Je suis de la province de l'Ontario. Nous avons 10 provinces en tout et 3 territoires au nord. Un État sous-national qui vient d'être uni au Canada en 1999 dans le cadre de la récupération des terres et Donc, c'est aussi un travail fait auprès du peuple inuit. C'est une des caractéristiques particulières liées à la réconciliation avec les Premières Nations, comme on les appelle dans notre pays. Voilà ici donc le contexte dans lequel je travaille. C'est une initiative financée par Environnement et climat, changement climatique Canada. Nous travaillons sur la base de subventions avec la British Columbia, la Colombie-Britannique. Nous sommes donc une coalition présente dans 4 provinces. Et dans le contexte du changement dont je parle, engagement variable et le besoin de véritablement tirer parti des apprentissages et des capacités qui s'améliorent dans le secteur, nous devons utiliser différents outils et voilà une trousse à outils importante pour ce que l'on fait, la formation professionnelle tout d'abord avec des principes de base qui nous permet de générer des connaissances élémentaires ou plus avancées. Par exemple, pour les leaders, nous avons également besoin de soutien à l'innovation qui nous permette de changer un petit peu le milieu. Ça, c'est nouveau, l'innovation, et c'est lié également à l'amélioration de la qualité qui doit nous apporter des avantages, des bénéfices sur le plan environnemental. Et qui sont importants pour les praticiens et pour la population. Et aussi, nous faisons partie d'une coordination pan-canadienne. Ça veut dire que l'on travaille ensemble, on tire parti de connaissances spécifiques de manière décentralisée et
cela est important dans différentes provinces où il n'y a pas d'autorité qui fixe les lignes directrices. Donc, comme l'a dit Jean, nous avons un modèle de changement que nous devons suivre et nous essayons de nous aligner, mais nous sommes encore aux prémices. Et voilà la courbe de désactivation. Donc, nous sommes donc à gauche et il y a des personnes qui essayent d'innover dans leur contexte parce que, si on le sait, en théorie, ce qu'il faut faire pour réduire les problèmes, modifier les comportements, par exemple, les indicateurs, etc. Il nous faut des ressources et des outils, des instruments qui fonctionnent et pour que tout le monde participe aux conversations. Donc, on travaille avec les innovateurs pour améliorer les cadres, les méthodologies. C'est important au niveau des méthodologies en particulier. C'est une méthode qui prend en compte l'ensemble du monde scientifique et également l'importance que l'on attache au niveau des émissions sans diminuer la qualité des soins, des services. Et ce que l'on veut, c'est réduire l'intensité de l'impact lié aux soins de santé. Donc, cela nous aide, mais parfois ne suffit pas. Il faut amplifier la portée. Il faut diffuser ce que l'on fait. Et nous avons aussi besoin donc d'élargir ces activités. Pour l'instant, on ne peut pas appuyer la phase d'exécution des projets et nous travaillons avec différents systèmes provinciaux qui sont disséminés sur le territoire. Il y a différentes agences qui cherchent à améliorer la qualité des interventions chirurgicales. Et donc, on travaille avec différentes agences et en utilisant différents outils pour infléchir cette courbe. Alors, dans les domaines d'intervention, il y en a deux en particulier. D'abord, le système de leadership, le changement de leadership et comment le faire changer. Il faut reconnaître que quand on parle d'un système bas en carbone, cela va au-delà de la résilience et des installations faibles en émissions. Il faut considérer le système de soins qui inclut et aussi s'étend au-delà des soins, s'étend aux soins communautaires. Et il faut des systèmes qui aient de meilleure capacité. Et pour s'assurer que nous améliorons les compétences, les capacités des dirigeants, des organisations et nous essayons de créer des organisations excellentes, indépendantes et qui fassent partie d'un système plus global. Et il nous faut également connecter les points entre tout ce qui est requis et tous ceux qui travaillent à la résilience d'une façon à pouvoir atténuer les effets du climat, les aléas. C'est nécessaire de lier les points entre la réduction, les effets néfastes sur la santé et d'autres engagements du secteur. Au Canada, par exemple, il y a un engagement important dans les soins centrés sur la personne, intégrés, de bonne qualité, auprès du personnel sanitaire, comment est-ce qu'on les engage, on les associe. Donc, relier tous ces points entre ces différents points d'agenda de travail de façon à ce qu'ils ne soient pas séparés, mais intégrés en un tout et nous permettent de relever les défis. Et il y a différentes
questions qui se posent et défis à relever par les directeurs et responsables. Comment comprendre la photo dans son ensemble et comment intervenir? Et quand on parle des pratiques professionnelles, il faut transformer les choses aussi au niveau des structures, les concevoir de façon à ce qu'elles soient plus résilientes. Et nous devons essayer de comprendre ou de créer de nouvelles passerelles de soins pour intégrer une multidisciplinarité au niveau des personnels, au niveau des cliniques, des établissements hospitaliers. Et c'est comme cela que l'on peut avancer et véritablement amorcer un changement pour la durabilité et la résilience. Donc, voilà quelques exemples. Pardon d'être un petit peu abstraite, mais je vais vous donner quelques exemples de parcours de soins durables et de leadership et changement des systèmes qui s'appuient donc sur ces deux aspects. La partie pharmaceutique, par exemple au niveau hospitalier, au niveau des prestataires de soins primaires, des communautés, domaines dans lesquels on peut faire des changements. Excusez-moi, Irina, vous me faites un rappel du temps. Oui, il vous reste 3 minutes. Ça devrait suffire. Donc, ce que l'on veut ici, c'est une collaboration entre les associations pharmaceutiques locales et nationales, évaluer les risques de certains médicaments qui peuvent être réduits, en particulier s'ils sont intensifs au niveau climatique ou non. Il faut adapter certains médicaments pour qu'ils diminuent les risques. Il y a aussi une tendance à vouloir diminuer les niveaux de prescription d'ordonnance parce qu'il y a une tendance à la surmédication et il faut mieux utiliser les médicaments disponibles et ainsi réduire les effets néfastes sur le climat parce que cela y contribue. En ce qui concerne les parcours, les soins chirurgicaux, il faut examiner l'étendue de l'échelle, il faut comprendre l'effet des gaz anesthésiants, le transport, les modes de transport, les fournitures réutilisables. Et il faut là aussi relier les points, ce qui se passe dans une salle d'opération et tout ce qui est en amont, tout ce qui est nécessaire pour arriver à la salle d'opération. Ce que l'on fait ici, c'est un travail au niveau local et canadien et on essaye d'améliorer la qualité au niveau des agences sanitaires. En termes de leadership et de changement, on travaille également à la diffusion d'informations auprès des représentants des autorités sanitaires et quels sont les effets, que sont les gaz à effet de serre, ce que l'on doit comprendre. Comment avoir une vue d'ensemble du système pour réduire ses impacts. Et en dernier lieu, il faut véritablement engager la transformation et au Canada et dans d'autres endroits du monde, on a des méthodologies importantes, des visions importantes. On travaille de façon collaborative au niveau provincial, national pour apporter ces changements. Donc, on veut intégrer cette durabilité et dans tous les aspects de notre travail. Alors, je vais conclure et je crois qu'on a une petite question de sondage ici qui permet de terminer ma présentation. L'amélioration de la qualité est-elle utile dans les efforts visant à produire un système de santé durable à faible émission de carbone dans votre environnement? Vous avez le choix entre différentes options de réponse. Merci de participer à ce sondage.
think we should be getting the answers soon. Et je crois que nous allons voir sur l'écran les différentes réponses que vous proposez. Okay, that's really interesting. Oui, très intéressant. Pour la majorité d'entre vous, c'est bien sûr, c'est important pour les efforts d'améliorer la qualité. Merci de votre attention. Merci Fiona de cette très belle présentation. Nous allons maintenant passer à un autre étude de cas, Elizabeth Chen, qui est directrice d'un centre aux États-Unis. C'est un des systèmes sanitaires les plus importants à but non lucratif. Elle dirige ses actions de cette agence pour réduire les GES d'ici 2030 à travers l'innovation, l'obtention de ressources, de meilleures pratiques, processus et au travers de la recherche et de l'éducation. Elle base son travail sur la réduction de l'impact environnemental depuis plus de 30 ans. Elle est professeure de recherche à l'Université centrale de Washington. Elle fait partie de l'organisation Alliance des infirmières, l'organisation et d'autres organisations. Elle est membre de l'Académie américaine des infirmiers, infirmières expertes en santé publique et environnement. Merci de présenter votre étude de cas. Merci. Je suis très heureuse d'être avec vous et de faire suite aux différents intervenants. Est-ce que vous pouvez me voir et vous entendre, mais pas très bien. Je suis désolée. D'abord, vous expliquer le système de santé chez nous. Nous sommes donc une combinaison de systèmes publics et privés. Et fractionné en fait dans l'ensemble du pays. 80% de nos installations sont privées et but non lucratif. Et non, excusez-moi, je me confonds. 20% est public. Et 20% est privé à but non lucratif, les 80% étant à but lucratif. Non, 20% à but lucratif et 80% à but non lucratif. Ça fait une mosaïque compliquée de systèmes sanitaires. Donc, on n'a pas de directive unique, on a beaucoup de concurrence, on a beaucoup d'impulsions du secteur privé, bien sûr à but lucratif. Et donc, cela nous donne un panorama assez complexe du système de santé américain. Et on essaye de le transformer. Voilà la carte générale des États-Unis. Et voilà, dans ces États verts, là où ces systèmes fonctionne avec Providence, qui est le nom de ce système, qui est très présent dans de grands États des États-Unis, et depuis le Texas jusqu'à la Californie, jusqu'à Washington. Et nous desservons beaucoup de personnes, 120 000 employés, 36 000 infirmiers, 25 000 médecins, 52 hôpitaux, 950 cliniques, 1 900 000 vies couvertes, établissements. Donc, c'est une organisation très vaste. Nous desservons plusieurs millions de personnes chaque année. Nous avons également pris des engagements très nets. Notre directeur PDG Rod Hogman a pris cet engagement et nous avons annoncé notre intention de réduire nos émissions d'ici 2030. Lorsqu'une entreprise, une organisation, une communauté ou un individu élimine de l'atmosphère plus d'équivalent de dioxyde de carbone qu'il n'en émet, c'est ça l'objectif.
Mais en fait, on ne savait pas que l'impact de la pandémie allait être aussi fort et allait retarder notre objectif. Et en 2020, on a un de nos hôpitaux qui a eu les premiers cas de COVID. Et bien sûr, son fonctionnement a été très perturbé, comme ça a été le cas dans le reste du monde. Donc, on a progressé sur ce niveau. Et même pendant la pandémie, les personnes continuaient de se rendre dans les établissements de santé parce que, et à cause des effets de la crise climatique, qui a des effets indiscutibles, les vagues de chaleur et autres. Donc, pour clarifier un peu les choses, la décarbonation, quand je parle de différentes personnes, ils ne comprennent pas toujours le terme. Donc, il faut réduire les émissions de gaz, qui ne sont pas que du dioxyde de carbone, il y a aussi d'autres gaz, les nitrates, les méthanes et les gaz fluorés. Donc, voilà les composantes, on voyait les pourcentages ici et un petit peu la source ou l'origine de ces gaz, transport, génération électrique ou production électrique, industrie, agriculture. Donc, décarboniser, ça veut dire réduire le carbone ou les autres gaz à effet de serre. On a une petite question rapide. Laquelle de ces sources de gaz à effet de serre vous préoccupe-t-elle le plus? Les déchets, l'énergie, l'eau, l'agriculture, l'alimentation, les produits chimiques ou les transports? Wow, pretty evenly distributed. Okay. C'est aussi bien distribué. Ceci est important. Et cela m'intéresse de voir pourquoi vous avez répondu de cette façon. Nous continuons. Les gens viennent. Et nous, ils ont des maladies, ils ont besoin de soutien, de traitement. Malheureusement, on l'a vu, le système de santé produit de la pollution, ce qui aboutit à d'autres maladies. Donc, il faut voir comment diminuer la pollution. Mon premier projet réussi était en 1993. Et au fil des années, surtout ces 5 dernières années, j'ai vu que les choses s'accélèrent. Nous n'avons pas résolu le problème. Donc, on apporte plus d'attention à la santé et le climat. Nous avons en tant qu'émissions de carbone les déchets, énergie, eau, agriculture et denrées alimentaires, produits chimiques et transports. C'est quelque chose auquel tout le monde doit participer, pas seulement le secteur de la santé. Et il faut prendre des mesures, des actions. Il faut vraiment prendre une étape après l'autre pour faire la décarbonation. Alors, les déchets sont un point important. Je parle du climat tout le temps et on parle des déchets. La création du déchet dure achat conduit
justement aux déchets, et c'est un aspect important. Nous créons des milliers de tonnes dans les hôpitaux. Et on peut voir comment cela est distribué. Et il faut s'assurer lorsque ces déchets sortent qu'ils soient bien gérés. Et il faut les mesurer. Sinon, on ne sait pas vraiment comment on peut réduire ces déchets. Énergie et eau. C'est impressionnant. Nous sommes très gourmands en énergie. Nous dépensons des millions de dollars en énergie chaque année. L'électricité, le gaz naturel, c'est un grand défi pour nous. Donc, on travaille sur différents projets d'être plus efficace en matière d'eau et d'énergie, agriculture et denrées alimentaires. On essaye de diminuer l'intensité carbone des repas. Aux États-Unis, nous avons un énorme problème de gaspillage. Et alors, on essaye de passer de meilleurs marchés, gaspiller moins dans nos cuisines, et on commence à faire des progrès dans ce domaine. Alors, les produits chimiques qui causent l'asthme, les avortements, les fausses couches, et travaille sur les gaz et les agents anesthésiants volatiles, par exemple, pour les réduire. Et on veut réduire de 90%. Et 90% en fait de nos gaz s'évaporent par des fuites. Nous regardons également la santé, les médicaments, et on voit si on peut travailler là-dessus afin de faire des recommandations à ceux qui font les ordonnances. Le transport est également un facteur important. C'est le secteur qui fait le plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le plus polluant. Il faut donc voir aussi comment on fait les prestations de services en conduisant, mais en pandémie, on a appris à réduire ses déplacements. Donc, il faut bien se pencher sur ce problème. Je vous ai dit qu'on se base sur des données. Nous avons ici cette fiche de notes. Nous avons des technologies, des ingénieurs qui nous aident dans ce domaine. Il ne vous reste plus que 3 minutes. Bien, cela nous donne les données qui nous sont nécessaires pour prendre des décisions. Je crois que cela fait une différence. Nous avons maintenant l'atténuation, l'adaptation. Je vous ai parlé donc d'atténuation. Nous avons REAC, qui est résilience, équité, adaptation et climat. Ceci concerne nos bâtiments, la température, et l'humidité,
et nous avons des diagnostics liés aux hautes températures. Donc, nous travaillons également dans ce domaine, la gestion environnementale clinique. On travaille avec des cliniciens. Nous avons un nouveau directeur qui s'occupe, qui est soucieux de l'environnement. Et l'on forme des professionnels. On travaille beaucoup en matière de communication. C'est une partie difficile dans notre travail. Je vous montrerai ensuite des caricatures. Comment cela fonctionne-t-il pour nous? Faisons des progrès. Participe à des débats nationaux pour faire connaître notre expérience pour améliorer les systèmes de santé. Je vous remercie. Merci, Elisabeth. Je ne voulais pas vous exercer la pression. Nous pourrons voir vos diapositives sur la web. Nous allons maintenant écouter Madame Diana Picon-Magnari, qui s'occupe de la santé sans préjudice. Elle s'occupe de politique pour l'action nationale. Ces 20 dernières années, elle a travaillé avec les organisations internationales en programme de développement de la santé publique. Elle a travaillé au Soudan du Sud, en Asie, et a donné de l'assistance technique aux pays d'Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Avant de rejoindre Healthcare Without Harm, elle a fait le suivi, évaluation et gestion en matière de résilience aux changements climatiques, sécurité alimentaire, maladies infectieuses et immunisation. Merci Diana d'être ici. Muchísimas gracias por esa presentación, Irene. Thank you so much. I will shift to English this time, although I am so glad to see so many people joining us from so many different corners of the world, including from my brothers and siblings of South America. Des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques approches pour des systèmes de santé durable et à faible émission de carbone. Nous avons commencé cela il y a plusieurs années pour les systèmes de santé avec les fournisseurs. Je vais donc commencer en vous racontant une histoire. Il y a 4 ans, nous avons publié l'empreinte climat des soins de santé, première estimation dans ce secteur. Et on a pu établir que ce secteur émet énormément de gaz dans le monde. On devait également décrire ce que peuvent faire les pays pour réduire ces émissions. En 2021, vers la COP 2020, la COP 26, on a travaillé avec plusieurs agents pour élaborer une feuille de route pour la décarbonation du secteur. Et nous avons fait des fiches pour 20 pays, ce qui nous a permis de voir les principaux foyers d'émission de différents pays. Et dans ce document, nous voyons qu'en respectant l'accord, on peut réduire les émissions de 60%. Et pour ce faire, nous nous avons vu différentes actions d'impact. Et nous avons vu également quelles étaient les émissions à l'intérieur des pays. Donc, on se pose la question, est-ce que
les pays moins développés doivent se préoccuper. Est-ce que c'est possible? Et oui, c'est important, car au fur et à mesure de notre croissance, on doit faire cette croissance de façon durable. Et puis ensuite, cela concerne aussi la qualité. Il faut améliorer la qualité de vie pour les personnes de cette planète. Il y a sept actions à impact élevé. Électricité, énergie. Cela ne contredit pas ce qui a été dit auparavant. Il faut tenir compte des engagements de l'accord de Paris, non seulement pour le secteur de la santé, mais aussi pour tous les secteurs de production, santé et comment réduire les émissions. Le transport, les déplacements sont très importants. Mais il faut également s'occuper du transit du personnel. On a vu également l'importance de, du secteur de l'alimentation et comment on peut réduire les émissions. D'autres domaines qui sont préoccupants, ce sont les produits pharmaceutiques. La fabrication des médicaments, les ordonnances. Ensuite, une autre importance, c'est la gestion des déchets et des prestations de soins de santé durables. Il ne s'agit pas seulement de l'élimination des produits, mais voir comment on peut le gérer. Et également, nous devons tenir compte de la qualité qui est liée à l'efficience, l'accès au secteur de la santé. Il faut essayer d'atteindre les objectifs du secteur de la santé et on essaye de voir comment avoir une optique hybride pour faire le suivi des émissions. On a travaillé avec les différents pays, 80 pays de par le monde, en se penchant sur ces données, nous voyons ceci de façon verticale et nous voyons comment établir une feuille de route pour les systèmes de santé durables. Alors, la vision de ce projet, c'est que chaque pays en Europe s'engage à ce soin de santé net zéro et développe une feuille de route de décarbonisation nationale pour le secteur de la santé qui soit compatible avec l'accord de Paris. L'objectif est donc de développer une méthodologie qui s'applique aux autorités de santé nationale, régionale pour produire un plan ou un bilan carbone de soins de santé, une feuille de route pour des émissions nettes nulles. L'on travaillait avec le Portugal et l'Italie sur ce projet. On a publié ici des différents principes avec des informations techniques, avec les pour, les contre de la prise de décision.
Et les gouvernements avec lesquels nous avons travaillé avaient également développé leur propre ligne directrice. Donc, on a travaillé à ces méthodologies de deux volets. D'abord, pour les analystes, les institutions de développement des données, d'analyse des données, et nous avons aussi une intervention au niveau des responsables politiques qui doivent associer les différentes parties prenantes de différents secteurs, ministères, fournisseurs, gestionnaires d'hôpitaux, praticiens, et s'assurer qu'ils soient tous alignés et compromis et engagés, disons, autour d'un même compromis. Nous avons un plan d'action nationale au Portugal pour l'atténuation des effets dans le secteur de la santé qui vient d'être publié il y a quelques semaines et qui engage à une réduction significative de près de 70% des émissions. Donc, nous travaillons à l'élaboration de cette méthodologie, comme je l'ai dit au Portugal, et type de données, de ressources, nous pouvons collecter, rassembler pour travailler vers cet objectif. Et dans cette approche ascendante de bas en haut, nous avons également mis en place un outil de vérification de l'impact sur le climat. La première version a été lancée en 2016 en Amérique latine et en juillet 2021, nous avons lancé et ajouté d'autres modules, par exemple l'achat une portée numéro 2 des tests et des outils hotspot pour regarder les émissions de type 3, les dépenses, etc. Et en parlant de ces portées 1, 2, 3, nous devons utiliser ce graphique qui est très illustratif et qui nous explique comment tous les secteurs interviennent, jouent, influent et contribuent aux émissions. Nous utilisons tout ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement en termes de données au niveau des pays, des informations émises par les pays et également les données de dépenses publiques. Et finalement, je vous conclurai notre étude de cas pour expliquer comment nous appliquons cela au niveau national en Colombie. En 2022, on a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé pour faciliter le premier projet national qui vise à estimer l'empreinte carbone du système national de santé avec un outil Climate Impact Checkup et un échantillon représentatif d'établissements de santé avec des établissements privés, publics, dans différentes zones géographiques, niveau de soins, de prestations, tout cela combiné. Et l'idée était donc de permettre la description d'un projet. Donc, on s'est réunis et on a vu que plusieurs centaines d'établissements voulaient être associés au projet. Et on a pu vraiment assurer une bonne représentation, un échantillon représentatif d'établissements de santé pour l'utilisation d'outils de vérification de l'impact. On a également assuré des formations, un soutien technique aux établissements et on a procédé à une analyse des résultats pour estimer l'empreinte carbone du système sur la base 2021. Et finalement, on a formulé des recommandations pour l'élaboration du plan sectoriel global du pays pour la gestion du changement climatique. Voilà un travail important. Je vois, Irène, que vous me faites signe. Merci, j'en ai pratiquement terminé. Nous avons donc une bonne législation et
et vraiment des plans bien élaborés au niveau du secteur. Voilà le calendrier du projet avec la formation, premier trimestre 2023, deuxième trimestre collecte des données et prise de l'empreinte écologique. En juin, on commencera l'analyse des résultats pour terminer au quatrième trimestre 2023. Et bien sûr, aider les établissements à utiliser l'outil. Donc, en résumé, ne voulez-vous parler de là où nous en sommes, au niveau de l'apprentissage, grâce à tous ces projets. On continue d'apprendre, c'est un processus continu et nous apprenons tous ce que nous apprend ou l'analyse de l'empreinte qui est importante à plusieurs égards, qui nous permet de planifier, voir quels sont les domaines prioritaires ou des missions ou autres et véritablement de permettre de rallier les efforts autour d'un même objectif et rendre nos établissements plus sains, moins contaminants. Et donc, on fait quelque chose de concret. Il faut aussi savoir qu'il y a différentes passerelles, parcours de soins, comme on les a appelés, on l'a vu dans la présentation précédente. Donc, ça permet de relever les différents défis en agrégant, en intégrant les données. Nous avons donc différents problèmes avec cette agrégation, intégration des données. Ça n'est jamais parfait. Il faut améliorer les modèles dans les différents pays en fonction des contextes et des niveaux d'émission ou de sources d'émission ou de points chauds, comme on les appelle. Et cela requiert donc un soutien pour parfaire les projets parce qu'il n'y a pas de modèle unique et parfait. Les données, des données sont encore manquantes. Cela prend du temps. C'est compliqué de rassembler toutes ces données. Et bien sûr, la demande continue de se développer. Merci de votre attention. Merci, Diana. Très intéressant cette présentation et ce cas d'étude en Colombie. Nous avons différentes questions, mais une qui est commune à tous les participants. Peut-être que James peuvent y répondre. Si vous voulez répondre, levez la main. Quel type de traitement ou diagnostic dans le domaine hospitalier permet de ou génère plus d'émissions? Par exemple, les centres d'attention primaire, ou est-ce que c'est lié au traitement, au diagnostic ou aux infrastructures? C'est une excellente question. Qui c'est qui souhaite répondre à cette question? Donc, à quoi sont imputables les émissions, aux installations, au traitement, au diagnostic? Comment s'y retrouver? Alors, dans les soins primaires, c'est une source importante de prescription de médicaments, donc les médecins généralistes et autres. Et donc, c'est un hotspot, comme on l'appelle. Donc, il faut rendre ce secteur plus approprié, mieux géré, réduire le niveau d'ordonnance médicale en utilisant différentes approches communautaires, autres. Voilà quelques-unes des stratégies possibles au niveau des services de soins basiques ou généralistes. Merci, Fiona. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question ou on prend une autre question? Alors, vraiment, ça dépend. J'ai vu des données au Brésil, par exemple, où il y avait dans différentes zones des personnes qui devaient voyager, se déplacer sur de très longues distances pour parvenir à un centre de santé. Donc, cela a aussi un impact en termes d'émissions. Merci. Pour James, les pays de revenus à revenus faibles et moyens contribue moins aux émissions. Donc, comment convaincre les pays grands émetteurs de
chez ES de réduire leurs émissions. Si j'ai bien compris la question, alors ce sont les pays du Sud qui souffrent le plus et qui contribuent néanmoins le moins au GES, alors que les pays du Grand Nord, comme on les appelle, sont les plus grands émetteurs, contributeurs. Alors la position consiste à dire que nous, on ne contribue à rien, donc on doit bénéficier de plus d'aide. Mais en fait, il y a beaucoup d'aspects d'implication et de bénéfices qu'on peut tirer de l'atténuation des effets du climat. Donc, il faut que vous continuiez ces pays à faire quelque chose pour décarboniser. Et c'est vrai qu'il y a une grande disparité, c'est vrai, mais il faut néanmoins que ce ne soit pas le seul discours, que ces pays soient également disposés à agir. Dans les Caraïbes, il y a des niveaux d'émissions énormes. Et donc, nous faisons partie du problème. Donc, nous devons faire partie de la solution également. Trinidad et Tobago, de 26 tonnes par personne en termes d'empreinte carbone. Et la Guyana également. Donc, parfois, je crois qu'il y a une petite position critique, au moins dans ces pays, petits États insulaires que je connais. Donc, nous devons aussi agir. Nous ne devons pas seulement être nous considérer comme des victimes. Parce que on peut tirer des bénéfices spécifiques directs pour le secteur de la santé des activités d'atténuation. Et comment inciter les grands pays à aider plus? Bon, nous avons besoin d'un levier massif. Par exemple, on l'a vu avec la pandémie de COVID. Ils se sont mobilisés pour créer un vaccin, mettre les moyens, véritablement, l'OMS, l'ONU, ne de pas toujours. Il faut regarder les statistiques, opportunités pour éduquer les responsables. Oui, c'est une réalité. Comment continuer à être des États touristiques qui accueillent des touristes? Il y a sûrement une façon d'améliorer les choses. Et donc, je les incite à continuer à agir, à porter des changements, à crier haut et fort, tout le monde, que ce soit à travers l'ONU, ou à travers d'autres forums. On a eu 1000 représentants présents à la COP, à la dernière COP. Donc, nous avons beaucoup de conflits d'intérêts au niveau des grands pays pollueurs. Merci. Merci, James, de cette incitation à la provocation, à l'action. Et je voudrais terminer avec une dernière question qui paraît un peu complexe, mais peut-être en une minute essayer de répondre. Il faut réduire la mortalité, la morbidité du diabète, parce que ça, c'est des maladies qui accroissent l'empreinte carbone. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Toutes les maladies chroniques contribuent à l'utilisation de nos ressources. Et la première, c'est qu'il faut de réduire l'utilisation de ces médicaments qui sont hautement utilisatrices de ressources. Donc oui, c'est juste cette affirmation. Le diabète
n'est pas la seule maladie d'ailleurs. Et beaucoup de types de diabète type 2 sont causés par nos modes de vie peu sains. Et il faut regarder en amont, remonter la pente et regarder quelles sont les causes et essayer de d'infléchir la courbe de ces maladies chroniques et pour réduire le degré d'utilisation de nos ressources. Merci. Merci à tous les intervenants. Merci aux conférenciers. Ça a été une séance marathonienne, mais très intéressante, très fournie en informations. Et on se revoit jeudi. Merci. Au revoir.